Hey, je me ressens peut-être pas. Ça va pas. Bon. Oh! Oh, je peux pas croire. Je peux pas croire que j'ai fait cette émission-là. Je peux pas l'écouter. Ça me rend trop de nostalgie. Oh! Bon, notre maison. Moi, je me suis inscrite pour trouver l'amour, mais 500 000 piastres, c'est sûr que je le voulais. À 1000 fucking pourcent. OK? Je le savais! Je l'ai toujours su! J'ai l'astrologie parce que je suis une femme très intelligente et... À chaque fois qu'il y a du drama, moi, il faut tout le temps que je fasse autre chose. Je mange une pomme, je passe le balai. Je suis vraiment dans un mode fuck my life. Hey, j'ai tellement changé. Avez-vous vu que j'ai une plus grosse face? J'ai juste hâte de voir les émissions. Si elle était méchante ou elle était stratégique, c'est deux choses différentes. Avec elle, vous allez le voir, j'avais hâte de rencontrer les nouveaux gars. J'avais jamais rencontré lui de ma vie. Okay. C'est vrai que j'ai un coup de foudre. Je savais plus comment jouer la game. J'étais devenue molle, je savais plus où me mettre. Puis j'ai comme oublié, j'ai oublié que j'étais dans un jeu. Puis Puis voilà. Hey, je suis trompée. Moi, je la trouve drôle, tu sais. Je suis comme, ah, ben, c'est drôle au moins à décaler, c'est ça, je me disais, tu sais. Honnêtement, je te trouve vraiment belle en ce moment parce que tu t'assumes, t'es authentique. Moi, tout. Vois la vraie story. Mais l'affaire, c'est que moi, j'ai jamais oublié que j'étais dans un jeu, là. Je comprends, on est dans un jeu. En même temps, il y a des situations où je me suis sentie trahie parce qu'elle essayait de me mettre le doute par rapport à Matt. Elle m'a fait douter. Bye, Camille! Je t'aime, je t'aime, je t'aime, Jérémy. J'ai hâte de te voir à Montréal, puis ici, là. J'ai comme ouvert. Au grand jour, puis dire « Ta-da! Voici le spectacle Camille, tu sais. Bonsoir! Salut! Salut! Matt qui fait le câlin en premier. Je suis content que Camille quitte avec Louis. Je vois pas qu'est-ce qu'elle aurait pu faire ici. Hey, ça, c'était le moment le plus « what the fuck ». Clairement, j'étais de même « what's going on? » Plus au lieu de faire la pancarte. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu penses en ce moment de ton aventure? J'ai joué le jeu à 100 000 dans les confesses, je me suis lâchée, j'étais crue, j'étais hardcore. J'étais ici pour deux raisons, gagner et trouver l'amour. Mais c'est OK. Dans le fond, la fille, elle tripelle. Pour vrai, on est tous ici pour jouer une game. Quand j'ai rentré, ah ouais, j'ai sorti par la fenêtre. Mais t'écoutes, ah ouais! Voilà, Kev. Il m'avait dit, Cam, toi, tu dois charmer les nouveaux gars pour rester dans l'aventure. Il y a mes anglais qui s'en viennent. Ferme-toi pas. Parce que si jamais tu penses juste à moi, ben, c'est ça blague que tu t'en aies. Je me suis fait avoir mon propre jeu. Parce que si j'avais Je me rappelais pas de ce bout-là où ce que Kev a fait son stratégique. Moi, là, s'il y avait eu des nouvelles filles, j'aurais dit non. Tu restes avec moi, Carly. C'était mieux pas d'aller voir les autres filles. Les plus intelligentes, j'ai regardé les deux en même temps. Puis je l'ai pas fait parce que je m'en foutais de Kev. Puis... M'en foutais de Kev. C'est bon. Pauvre ce gars. Je pense que la chose que le monde n'a pas compris, c'est que la meilleure stratégie, c'est d'être honnête puis d'être apprécié des autres. Ouais. Dans la démission, je voulais gagner. T'avais raison, je veux gagner. Parce que c'est pas vrai que vous n'êtes pas ici pour gagner. Tout le monde veut gagner, OK? Ça, j'ai bien de la misère avec ça. Je vais vous dire c'est quoi l'inside. Moi, je vais être bien franche avec vous. Je suis pas allée à OD pour gagner. Loin de là. Honnêtement, ça m'est pas passé par l'esprit. Moi, je suis allée à OD pour avoir du fun, mais je vous avoue qu'une fois que t'es dans le game, t'as envie de te rendre en finale. Moi, j'avais envie de me rendre en finale, mais pas pour gagner. Je sais que c'est weird. Je voulais juste me dire, ah, je suis une finaliste. Ça, je trouvais ça nice, tu comprends? Gagner, c'était autre chose pour moi. J'étais comme, ah, c'est sûr, je gagnerai pas anyway. Moi, c'était ça, ma pensée. Et dans les confesses, on a GPP, que c'est sûr que Matt vous parle tout le temps. Il nous dit en confesse, ben là, voyons, c'est sûr que vous êtes venu ici. C'est sûr que t'es venu ici pour gagner. Puis je suis comme, non. Là, il me demande, pis qu'est-ce que tu penses des prix? Je suis comme, ben les prix, honnêtement, j'ai trouvé nice, là, mais comme, je m'en fous, là. Tu sais, je suis juste comme, moi, en ce moment, j'ai du fun, pis je suis contente d'être encore ici. T'es comme, ben là, voyons que tu penses pas au prix. Puis je t'aime, ben, non, je pense pas au prix. C'est ce qui arrive, c'est que, on pense que tout le monde va là pour gagner, mais honnêtement, les chances que tu gagnes à ce show-là sont très minimes de 1 et de 2. Pourquoi tu te stresserais à vouloir te faire une stratégie pour gagner? Moi, j'aimais mieux rester là, avoir du fun le temps que ça dure. Puis si je pouvais me ramasser en finale, ben why not, sérieux?
J'étais finale, très, très heureuse d'être en finale, by the way. Très heureuse. Ça, c'est mon petit flex de vie, là. Genre, ah, j'ai été finaliste. Genre, pour vrai, là, j'étais quand même très heureuse. Ta façon, elle avait décidé de jouer avec les gens un peu, ça n'a pas fonctionné. Hey, toi aussi. Puis, on se voit en Montréal. Oh, for yes. Sure. Yes. Voilà. Oh my God, j'adore entendre la vérité dans le... Matt, en arrière. Matt! Je savais que Star-là serait venu un jour. Je reste réaliste, là. Si je veux me rendre en finale, il faut couper des gens. Bye, Cam! Ah! Oh my God! Hey, moi, je n'ai pas dormi de la nuit. Parce nice que je ass bitch. Mal d'avoir pensé qu'elle était stratégique. Je crampais les filles. Ben, je suis contente qu'elle nous l'ait dit. Arrêtez d'être contente, là. Ça, c'est pas drôle, là. Alexandre était frustrée. J'étais même « Alex, voyons, calme-toi. » Moi, je trouvais ça drôle. Avez-vous vu? J'étais encore dans le mode « C'est correct, c'est drôle. » Mais finalement, c'était... Alexandre, elle a vite gâché le party. Vous avez toutes été une gang de naïves, moi compris. Je m'excuse, là, mais on a toutes une poignée dans le dos en ce moment. Je trouve ça juste poche. J'aime pas ça me faire prendre pour une cruche dans la vie. Je m'attendais pas à ça, là. Moi, je broyais ma vie parce que je voulais juste pas qu'elle ait de la peine. Le fait que Camille était comme moi, je suis stratégique, mais là, au moins, ça vient de me nuire. Comme si moi, j'étais comme, je savais qu'elle était stratégique puis j'étais de son bord. Chaque crise, à un moment donné, tu te demandes si c'était une crise pour le show ou c'était une crise parce qu'elle avait des vraies émotions, parce que nous, on a de la peine pour elle l'avoir de même, mais je me mettrais pas tout à l'envers si tu fais du acting, là. Le sujet Camille est clos, là. J'ai l'impression que certaines filles ont encore des trucs qui bouillonnent à l'intérieur. Je le filais, là, tu sais. Moi, sérieux, j'ai rien à dire. Est-ce que je suis pas bonne? Ben, en fait, je suis bonne parce que j'embarque pas dans la merde. Penses-tu qu'elle s'est donné cette excuse-là? Non, je pense. Non, non, non. Elle a vraiment joué le jeu. En caméra, là, elle faisait tout le temps ça. J'entends les speeches d'amour que Kevin me disait, puis j'entends qu'est-ce qu'il avait à me dire en ce moment, puis je suis juste comme. Waouh, elle a. Hey, c'est weird. Hypnotisé, le gars, là. Il y avait des. Merci, Warrior. Merci. Puis dans le fond, elle était juste en train de comme. Chris, il a dit la fin de même à Rim, il a pas été correct, là. Non, il a juste dit, OK, mais faites attention à Camille, elle est stratégique, c'est tout. Puis, elle a dit que les filles étaient sous le chien. Rim, elle m'a rien dit de débat. Mais nous, on était pas stratégiques. Non, mais, tu sais, tout le monde l'est. On joue toute une game. Il était ça, c'est beau, mon chum. Mais qu'est-ce que je suis déçu, pour vrai, que Matt ait été stratégique. Pis ça, je vais tout le temps le dire parce que moi, ma stratégie à OD, là, c'était de pas avoir de stratégie. Et c'était d'être amie avec tout le monde. Parce que dans la vie, je suis de même. J'étais amie avec tout le monde. Et je suis tout le temps, j'aime le monde, tu sais. En fait, c'était pas ma stratégie. Je me suis vraiment laissée. J'ai vraiment aimé les gens avec qui j'ai côtoyé. Mais guys, je sais que c'est un jeu. Pis c'est correct, là. Mais pour vrai... Des fois, avoir trop une stratégie, ça peut te nuire. Moi, je crois juste qu'il y a une façon de la jouer. Mais il n'y a personne qui écrit règlement d'OD. Joue-la comme tu veux. Avec les trois maisons. Bon! Louis? Camille? Camille qui regarde la caméra. Attendez, regardez ça. Quand elle arrive et qu'elle regarde la cam. Check. Louis? Camille, et avant bon. Que vous quittiez, j'ai une dernière demande pour vous. Les candidats ce soir déménageront une nouvelle fois, mais cette fois-ci, les colocations seront mixtes. J'ai une seule consigne pour vous. Les couples ne peuvent pas habiter sous le même toit. C'est bon, c'est cette bon année! Ah, c'est good show! OK, ça vous va? Ouais, ouais. On va habiter ensemble, non? Non, à toi de voir ce que tu fais avec ça. Je vous laisse quelques minutes pour cool. Faire ce casting. Merci, Jay. Bon. Je vais mettre Alexandre avec Carl. Je pense qu'ils vont en trouver bien drôle. C'est qu'on met Ophélie ici. OK, après ça... Ah, oh, ben là, on a séparé Carlou et Matt. On va mettre les trois filles ensemble. Voilà. Voilà. Oh, non. C'est horrible, ça. Mais non. Juste des gars. OK, ben là, tu peux pas mettre Carlou là, si t'es avec Alexandre. Ah. OK. Là, ici, on a deux boys, trois filles. Là, on a trois boys, deux filles. Tellement glad d'avoir été avec Trudy puis Ophélia, LP et Kiki dans cette maison-là. Pour vrai, ça, c'était tranquille. Dans cette maison-là, man, c'était le dawa. Là. Comme, moi, je suis bien contente de ne pas avoir été dans cette maison-là. La décision est prise. On a splitté toutes les coupes. Puis on a laissé LP et Carrie, qui sont deux athlètes, ensemble. Tout est beau. Nous autres, on est bien heureux. On s'en va surfer. Merci. Bon merci. Retour. Camille, merci. Bon retour.
nous voilà, éliminés. Je suis très à l'aise, je sais que c'était pas de la faute des boys, je sais qu'ils ont fait de leur possible pour me protéger. Je pensais que ça allait être Pépirim qui allait quitter aujourd'hui. Mais en même temps, pour les gars, côté stratégique, je pense que c'est plus avantageux de me faire sortir moi. Le pire, c'est que ben franchement avec vous, là, c'était pas contre LP et Rim, là, loin de là, là, mais c'est juste parce qu'ils sont tellement partis. Ils sont partis après, je pense. Ah, les gars se sont tellement battus pour que Louis reste. Là. Je me rappelle, on se battait tellement, là, comme moi je disais, je veux sauver Rim, puis tout. Puis les gars étaient comme, non, on élimine Louis, puis j'étais de même, non. Pis pourtant, Louis, je l'aimais vraiment, mais tu sais. Parce que les autres voyaient Louis comme une menace, ils avaient peur qu'on gagne. Et c'est pour ça qu'ils nous ont éliminés. Kevin, je suis pas d'accord avec comment il a joué dans le jeu. Je suis pas d'accord avec comment il a terminé son aventure. J'ai quand même brisé le cœur. Mais moi, je vais pas me gêner de rien. Si j'ai envie d'embrasser Louis, je vais embrasser Louis. Même si Kevin est là. Sorry. Puis le Louis est de même, on s'embrassera plus, je pense. C'est correct? Ben oui. On s'en va voir Kev. Oh mon dieu. Come, come, come. Oh mon dieu, ça y est. Oh. J'ai nouveau dans le voisinage. Salut, j'ai acheté de la dedans. Non, vraiment pas. Donc, le gars que j'ai donné l'idée de se raser la moustache puis qui m'a mis en danger. Puis Kev, t'as-tu quoi à dire à la caméra? Non, pas vraiment. Non? Non. La seule affaire, c'est que là, on a fait une promesse à Ophélie puis à Carap, puis là, il va falloir qu'on parle en exemple, pour Claudie, pour pas qu'ils turn around sur leur promesse. Moi, je leur fais confiance. Puis je pense pas qu'ils vont le faire. Ils n'auraient pas fait une promesse pour rien non plus. Oh non! Guys! Je pensais qu'il y a une raison. Oh mon Dieu Seigneur! Les filles, je pense que je sais ce qui va se passer là. Non, quoi là? Oh shit! On va aller habiter peut-être avec notre chum? La dernière fois que j'ai vu ça, c'était déménagement. Hey, OK! Sincèrement, si c'est ça, je capote. Oh my God! T'es pas conne, Claudie! Comment ça va? Ah, c'est que j'étais conne! Qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Assieds-toi, OK, c'est bon, good. C'est bon. Pauvre Matt, est-ce Matt, est-ce qui est étonnant? Il a même qui nous fait chier, je peux pas croire. Messieurs, que direz-vous est-ce qu'il d'un est beau? Autre déménagement? Ah, oh, attends. Je vous annonce, à partir d'aujourd'hui, les deux bon, maisons Matt? D'occupation double seront mixtes. Ah, oh. Yes, je vais enfin habiter avec LP. C'est live, je vais passer une semaine avec Rim et les autres couples dans la maison, ça va être trippant. Voulez-vous voir ce que ça donne? Oui! Ah ouais! Hein? Oh fuck! Oh non! Chier. Oh vous êtes chier! J'essaie juste de comprendre. Je m'excuse, mais il est tellement beau, Matt, là, ça n'a pas rapport. Là. Clairement, c'est le plus beau. Allez tout vous faire chier! Mon chat, c'est le plus beau. Moi, je suis bien contente parce que ici, là. En passant, je tiens juste à dire qu'à ce moment-là, j'étais dans le déni parce que je voulais pas reproduire la scène de Londres. Voilà. La douche, là, ça va pas pantoute. Moi, je suis contente. Je m'en vais d'ici. Bye bye, les chums. Je m'en vais vivre avec des boys. Mais c'est quoi ça? What's going on, part 25, genre? C'est avant de quitter, Louis et Camille pouvaient choisir qui allait habiter avec qui et ils avaient une seule règle à suivre. Les deux personnes d'un même couple ne peuvent habiter sous un même toit. Oh. Okay. Ophélia, Claudie, Matt. Claudie, vous pouvez préparer vos valises. Vous déménagez ce soir. Yeah, baby! Yeah! C'est malade. Oh my God, c'est pas vrai. Je comprends pas. J'espère qu'ils aiment la reality parce qu'ils vont me voir en pyjama avec plein de boutons dans la face. En même temps, les filles, moi, je pense que ça va... Est-ce que je colle? Merde! Je suis donc bien oui! Mais je veux dire, je m'aime de même, tu sais. Je me trouve hot quand même, là. C'est bon. Je pense que... Moi, je suis content, hein, tu sais. Je trouve ça excellent, moi. C'est m'être pogné tout seul à faire le ménage. Oh! Alexandre, man! Calme-toi! Hey, Kiki, je suis sur vous pour rassurer Claudie sur peu importe. Ouais, ouais, t'inquiète pas. Ben. C'est ma girl, Claudie. So, peu importe la situation, au choix. Je veux juste qu'on comprenne que le ménage. Il est assez cute.
Oh, je l'aime. Bon, qu'est-ce qu'a dit encore Alex sur le ménage? Je veux juste qu'on comprenne que le ménage, c'est important, là. Ben, vrai, calice! On va voir la douche. Pauvre Alex! Est-ce qu'il est beau, Matt? What the fuck? Mon Dieu, comment qu'il lave la toilette? Là, il va falloir que je commence à porter des boxers. Oui. Oui, ça serait une bonne idée. Vous allez pouvoir me dire si la légende est réelle. Hey, boy! Ciao, les boys! Non! Non! J'en reviens pas qu'elle ait dit ça! J'en reviens pas! Oh mon Dieu, que c'est bad! Je peux pas croire qu'elle a dit ça. Oh. Je sais pas, j'ai pas vu sa queue. Oh. What's up? Hey les filles, on est chez vous! Avez-vous demandé des nouvelles colas? Il y a plein de choses qu'il faut qu'on vous explique pour avoir... OK, vous bon. Voyez ici une démarcation sur le tapis? Ça coule. Ça a l'air bête. Mais je vais réparer ça aussi. Alexandre? Hostie que notre douche était de l'hostie. Bon, Alexandre qui est déjà en mode ménage. Moi, je vois ça comme la petite maman, là. Je pense que maman Alexandre pourrait potentiellement me chicaner. C'est sûr qu'à un moment donné, Il gosse! Il est trop beau! Calisse! J'en viens pas qu'il y ait personne qui a essayé de le frencher quand je suis sortie. Tomber ses nerfs. Tap! Je me choque. Ils vont se calmer. T'es là, je veux dire, on a tout, ça fait tout 2 mois sauf toi. On va se respecter là-dedans, t'sais, on va faire attention. Nous, on va faire attention, je veux dire, habituellement, je dors nu, là, je dors la capite. Carl, ma suite, c'est genre commando toute la journée. Oui. On verra. Non, non, c'est sûr qu'il fera pas attention, je le connais. Ma suite, il y a genre 2 paires de boxers. Je le sais, il porte jamais rien en dessous de ses pantalons. Josie nous a dit de te dire de pas te mettre tout nu tout le temps. Ah, vous êtes ça? Ouais. Ben, vous pouvez faire comme si on n'était pas là? Je pense pas. Je regarderai pas, là. Non. Hey, Carl, man, il a l'air d'un mononcle. Carl, il fait son mononcle. Et moi, s'il m'avait dit ça, j'aurais été de même. OK? Mais moi, on vous verra pas. J'étais comme, boy, si tu commences comme ça, ça marchera pas. Messieurs, dames, un heureux duo pourra faire d'inoubliables rencontres en visitant la Fondation sud-africaine pour la conservation des oiseaux côtiers. Oui, vous assisterez même au retour dans leur habitat naturel de manchots du Cap, ces petits oiseaux de mer tout cute! Oui. C'est la meilleure imitation du manchot du Cap qui gagnera cette activité. Le manchot, c'est comme un tour de rôle ou tout le monde? Je pensais vraiment qu'il fallait imiter un putain de manchot. Je l'ai fait. Matt, évidemment, il fait. Hey non, pas sûr, je devrais faire ça. Voyons, hey, yeah. C'est drôle. La gagnante, c'est Rim. Finalement, c'est moi qui l'ai eu pareil. Fait que je suis contente. Rim. Avec qui tu veux y aller, Rim? Avec Louis-Philippe. Et on va aller y annoncer. Ah, yeah! C'est la meilleure imitation du manchot du Cap qui aura droit à la sortie. Je voulais l'activité, donc je me suis dit, Claudie, tu donnes ton 150%. Au final, ça leur a rien donné parce que Rim est arrivé pendant que je faisais mon imitation de manchot qui s'étouffait à terre. Mais non, c'est pas vrai! Oh! Moi pis Matt, on l'a fait parce qu'on voulait une activité ensemble. Pis évidemment, on l'a pas eu. C'est Rim qui a eu droit d'activité! Yeah! Elle a choisi Louis-Philippe! Yeah! Man, on est à bout, là. Guillaume pis Claude, là, ils ont pas d'activité, c'est frustrant. Avec les animaux, j'adore les animaux, puis là, c'est ma chance demain, surtout avec Rim. Ça va faire du bien. Est-ce que vous êtes content? Mais oui! Yes! À date d'élimination, là, mettons, quelqu'un parlait, boum, il l'interrompt. Wow, attends qu'elle finisse. C'est juste ça qui me gosse avec Carrie. Mais hier! Je te jure, il a parlé, là, 90% hier, du temps. Hier, tu m'as dit, genre, comme je t'avais interrompu, est-ce que tu trouves que j'interromps souvent? Non, hier, c'est une blague. OK. Bon, là, c'est l'activité des manchots, la gang, là. Ça me tente pas de regarder ça, là. M'excuse. Ah, vous êtes bien beau, là. C'est à cajou cute, man. T'avais les petits pingouins. Ouais. Hey, c'était malade. Ah ouais? Raconte. Ce qu'on faisait, c'est qu'on participait comme aux dernières étapes de processus avant de les libérer. Mais on pouvait pas les ouvrir parce que c'est assez dur. Fallait que tu les prennes de même. Oh my god! Tu les avales. Oh, oh my god!
Là, c'est parce qu'on voit disparition. Il me disait la pollution fait en sorte que les manchots, la population. Ça dégrade leurs écosystèmes. Ouais. Encore, il est trop blessé. Il les aide à faire la réhabilitation, puis après, il les relâche. Il les relâche. Relâche en nature. En nature. On est allé les libérer dans l'océan. Ça, c'était f***ing cute. Dans une colonie, un genre de baie comme protégé. Puis c'était amazing. J'ai eu aussi un moment avec elle sur des rochers pour parler. On a beaucoup parlé. On jasait, de nos vies. Juste faire tout ça avec elle, tout ça, ça a été cool. Elle devait tellement être émotive, la connaissance devait être comme oh my god. Nice, bonne journée. C'est vraiment cool. Il a dit qu'il adorait toutes les filles, qu'ils étaient vraiment chill. Nice. Moi, quand on est. Hey, encore mon cul plate. Mon cul plate, je faisais encore parure. C'était vraiment le fun, la gang, de regarder ça. Fait que dans le fond, à retenir de cet épisode-là, j'ai le cul flat. Quand quelqu'un parle, je mange, je passe le balai. Quand il y a du drama, ça me tape ses nerfs. Quand Matt est dans l'écran, il est fucking beau. Guillaume pis Claude ont pas beaucoup d'activité. C'est tout.